les choses vont être criminelles encore. Regarde par exemple, ça c'est le 11-11. Le 11e mois, c'est quel mois? Novembre. Novembre. Message quoi? Message c'est quoi? États-Unis. États-Unis. T'as vu? Tu vois, écrit ici, comme au Cameroun. États-Unis comme au Cameroun. Regarde, le changement, c'est l'un des grands causeurs des problèmes. Tu vois, j'avais dit dans un message justement, c'est pour ça qu'il écrit comme le Cameroun, que les gens qui sont de parler de changement ici au Cameroun, ils sont de parler comme ça. Donc, les problèmes qu'ils ont créés, même, ils ne vont même pas voir même le changement. Le Et changement. c'est un cas qui est d'ailleurs aux États-Unis, dit, le changement, c'est l'un des grands causeurs des problèmes. Il a semé et continuer les œuvres des ténèbres. Mais les États-Unis changent sans lui. Il part avant, mais rempli de jours. Entre parenthèses, je mets ici. Je connais la personne. Je mets Bavière. 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 C'est une ville. Bavière. C'est une ville. Juif. Allemand. Donc cette personne, c'est en même temps juif, en même temps allemand. Mais en même temps, c'est quelqu'un des ressortissants américains. Bavière, donc, la ville où il sort, c'est Bavière, cette personne-ci. Prix Nobel, et maintenant tu vois que s'il donne ça, il donne la gamme, on va savoir exactement de qui il est question. Donc, prix Nobel, bon, il dit ou je dis pas. Tu vois, c'est écrit prix Nobel de la paix 1973. Donc, cette personne, c'est écrit le prix Nobel de la paix 1960. Et puis, qu'est-ce qu'il écrit ici? Bon, ça c'est une écriture. C'est qui? Au revoir. Au revoir. Donc tu vois, dans cette personne, c'est à créer l'un des grands des trucs qu'il y a aux États-Unis et dans le monde, parce que c'est un agenda mondial. Il est l'un des instigateurs. L'un des instigateurs. C'est-à-dire que c'est la volonté, les choses dans les ténèbres, c'est à implémenter. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce que je suis dit? Regarde. Mais que fait sa postérité? Tu vois ça? C'est pas ça qui est ici. Mais que fait sa postérité? Dieu peut faire sortir le saint, S-A-I-N-T. Il faut bien regarder ce que c'est écrit. Quand j'écris comme ça, là, il peut venir dire tout simplement, voici le message, il peut venir dire simplement que Bavière, il vous donne quelque chose, il vous donne le code pour casser le cerveau. Bavière, juif, au revoir. Et puis, écrit tout ça. Tu vois cela? Mais que fait sa postérité? Dieu peut faire sortir le saint. Saint, c'est écrit comment? S-A-I-N-T. Du saint. Le saint s'écrit comment? S-E-I-N. De celui qui avait des mauvais desseins. Tu vois cela? Pour accomplir son dessein. Alors, sa postérité est sous le regard du Très-Haut. Il l'utilisera. Donc, tu vois que Dieu, comme il avait dit souvent que Dieu est souverain, il laisse que Moïse pas grandir chez Pharaon pour connaître exactement ce qui se passe là-bas. Tu l'élèves. Tu l'élèves, il connaît bien exactement ce qui se passe. Dieu laisse que quoi, Joseph vient, il entre chez vous dans votre propre son. C'est à l'intérieur de toi, comme la Bible déclare pour le cas de la destruction de Satan. Il dit qu'il va faire sortir le feu du milieu de toi. Le feu qui brûle Satan sort de lui. Pas que Dieu a fabriqué un feu quelque part. Son feu, ça vient de lui, comment ça se passe? Comment on dit qu'on sort l'huile sur la viande pour frire l'huile, pour offrir la viande. Donc cet homme-ci a une postérité que Dieu va utiliser. Amen. Tu vois? Quand ils sont petits, ils les ont ici dans la franc-maçonnerie, dans les profondeurs du satanisme. Tu veux voir, quand ils vont ouvrir la bouche bientôt. Mais donc, il faut que son père soit écarté parce que, comme cette nouvelle est en train de venir, Dieu met les dispositions des gens en disposition pour qu'ils travaillent. Et vous voyez que c'est Dieu qui commence à écarter les choses. Quand les choses arrivent, on croit que c'est quelque chose de naturel. Mais avant que les gens n'écrivent pour vous faire descendre, que liberté, 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 Moïse était né au milieu d'eux. Il grandissait tranquillement. Quand le moment de Dieu est arrivé, c'est ce même Moïse qui l'a envoyé. Il n'a pas envoyé un libérateur de l'extérieur. Quand il a envoyé Jean-Baptiste, il était au milieu de lui. Quand Jésus est venu, il est né au milieu, il grandissait jusqu'au temps marqué. Donc les gens, les artisans du réveil, tous les autres, ils ne vont pas sortir du ciel comme ça, boum, tomber sur la tête. Ils grandissent, ils sont au milieu du péché. Amen. Ils vivent dans le péché. Ils vivent avec le péché. Dieu dit, ok, vous avez goûté vous-même comment ça fait, non, oui. Maintenant, réveille-toi. Mais tu vas réveiller tes frères. Quand vous prêchez contre le péché, vous prêchez en connaissance des causes. Un ange ne peut pas comprendre l'affaire là. Un ange, il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Quand tu prêches, quand tu arrives les couches de nuit, quand tu prêches, quand Dieu t'a dit ça, quand tu prêches contre les couches de nuit, tu sais de quoi tu en es de parler. Quand tu prêches couche
Henry Kissinger, grande figure controversée de la diplomatie américaine et secrétaire d'État sous Richard Nixon et Gerald Ford, est mort mercredi à l'âge de 100 ans. Initiant le rapprochement avec Moscou et Pékin dans les années 70, Henry Kissinger a vu son image ternie par des pages sombres de l'histoire des États-Unis, comme le soutien au coup d'État de 1973 au Chili ou l'invasion du Timor oriental en 1975 et bien sûr la guerre du Vietnam. L'homme qui avait fêté ses 100 ans en mai avait conservé l'oreille des grands de ce monde des décennies après avoir quitté les affaires internationales. Le visage d'un homme que vous allez nous montrer, Marc, que les moins de 20 ans peut-être ne connaissent pas, qui s'appelle Henry Kissinger, qui est décédé à l'âge de 100 ans ces dernières heures. Oui, parfaitement. Hein, le visage d'Henry Kissinger qui s'affiche sur tous les journaux américains ce matin, qui le New York Times ici salue dans ses colonnes le secrétaire d'État le plus puissant de l'après-guerre, qui était à la fois adulé, mais aussi critiqué. L'homme était en effet à la fois salué comme un ultra-réaliste qui a façonné la diplomatie américaine. Son héritage résonne toujours d'ailleurs aujourd'hui sur le plan international dans les relations avec la Chine et la Russie et ou encore avec le Moyen-Orient. Mais il était aussi très critiqué, notamment pour avoir abandonné les valeurs américaines, nous dit-on, notamment les droits de l'homme. Il a ainsi soutenu le coup d'État du Chili en 1973 et bien sûr la guerre au Vietnam. Henry Kissinger a conseillé pas moins de 12 présidents, de JFK à Joe Biden, nous dit rappelle le Washington Post, qui publie notamment plusieurs photos ici avec Anwar el Sadat, le président égyptien, ou encore ici et puis lors des accords avec les Coréens du Nord. Voilà pour ces images. D'autres journaux dans le monde, Marc, se font l'écho de la mort du diplomate. Oui, en Russie notamment, parce que je viens de vous le dire, effectivement, Henry Kissinger a facilité les relations entre les États-Unis et donc la Russie. Alors, et c'est le Komsomolskaya Pravda, pardon, je me suis un petit peu avancé, qui nous relate cette affaire et qui revient sur les talents de négociateur d'Henry Kissinger, qui a orchestré le réchauffement des relations, je viens de vous le dire, entre Washington et Moscou, symbolisé par la visite en 1972 de Richard Nixon à Léonid Brejnev. Le quotidien rappelle également que Vladimir Poutine aimait s'entretenir avec lui. Le journal parle également d'une petite anecdote qu'en 1972, il a aussi fait la une du magazine Playboy, et ça on le sait moins, pour ce qu'il était l'homme le plus désirable, selon le journal, le plus désirable de l'année de 1972, pour ses succès politiques ainsi qu'auprès des femmes. Pauline, Henry Kissinger avait également œuvré pour le rachoppement avec la Chine, et c'est ainsi la raison pour laquelle plusieurs quotidiens chinois font le relais ce matin, ici avec le site internet Sina Weibo. Le journal rappelle les liens forts qui unissaient le diplomate au pays. Kissinger aurait ainsi dit un jour: la Chine est le pays avec lequel j'ai de contact.